Salutations, bienvenue à vous. Je vous présente Greasy Gravité, un jeu de plateforme rétro de puzzle interstellaire à défilement horizontal. C'est une expérience un peu difficile où la gravité peut être votre pire ennemi ou votre meilleur ami. Ce jeu contient un style artistique coloré et caricatural dessiné à la main. Il est disponible à la vente au prix de 5€. Sur le Play Store, mais également disponible sur Xbox One et Switch, ainsi que Steam. Il a été développé par JM Neto Game et édité par Extasia Soft, la société hongkongaise. La ligne de conduite pour obtenir le platine est simple. Il n'est pas nécessaire de compléter le jeu intégralement. Il suffira de terminer les 12 premiers niveaux, ainsi que collecter minimum 6 ressources d'énergie. Chaque niveau contient une énergie sous forme de symbole d'un éclair. C'est un logo éclair coloré en jaune. Il faudra le chercher un peu dans le niveau. Ces énergies permettront d'alimenter votre vaisseau pour rentrer chez vous. À partir du niveau 6, normalement vous aurez récupéré tous les symboles d'énergie. Il sera donc plus nécessaire de s'en préoccuper. Vous pourrez donc vous concentrer uniquement sur terminer les 12 niveaux sans aller les récupérer les ressources d'énergie. Alors il n'y a pas de checkpoint, donc si tu meurs, tu devras recommencer le niveau en cours. Cependant, comme les niveaux sont plutôt courts, tu devrais pas avoir de gros problèmes à les finir. Seuls les niveaux qui seront un peu difficiles seront le niveau 7 et le niveau 9. En début du niveau 9, n'oubliez pas d'utiliser le double saut en maintenant la touche croix. Et il y a le niveau 10 qui est un peu difficile et un tout petit peu le niveau 11. Concernant le gameplay, la gravité est le mécanisme clé du jeu, mais comme le titre du jeu le suggère, il s'agit d'une gravité folle où tout le décor est retourné, mais aussi le contrôle du joystick de votre manette sera inversé, c'est-à-dire que votre petit bonhomme sera lié lui aussi à l'orientation inversée. Pour aller à gauche, il faudra diriger le joystick de gauche vers la droite et inversement. Les boutons que vous utiliserez est le joystick gauche pour les déplacements et le bouton croix pour sauter une fois ou maintenir la touche croix après un saut pour faire un double saut pour aller plus haut et pour prendre plus de hauteur. Gardez à l'esprit de ne pas oublier le double saut qui est très important dans certains niveaux, cela sera nécessaire. Alors voilà, les commandes inversées rend le jeu encore plus compliqué, donc pour aller à gauche il faudra aller à droite, pour aller à droite il faudrait aller à gauche. Mais à force de jouer, vous finirez par maîtriser le mécanisme du jeu. Pour terminer un niveau, vous devrez d'abord aller appuyer sur un interrupteur jaune, ensuite il faudra marcher sur les plateformes tout en évitant les dangers, et pour finir à atteindre le portail final du niveau afin de sauter dans ce portail qui va vous téléporter dans le prochain niveau. La durée approximative pour le platiner est de 1h ou 1h30 ou encore 2h maximum. Certaines personnes anglophones disent que ce jeu se termine en 15 minutes, alors je veux bien le croire, mais alors cela concernera vraiment les fans du genre, ceux qui ont l'habitude de jouer à ce style de jeu, mais ceux qui n'ont pas l'habitude par défaut, qui sont comme moi, n'aiment pas trop ce style de jeu challengé et relevé, causé par la gravité où tout est inversé et où l'on finit par perdre la tête et d'oublier le sens de la marche. Sa note de difficulté est de 3 sur 10, en tout cas moi c'est la note que je lui attribue. Durant cette vidéo, je vous montre la façon dont je me suis prise pour compléter les 12 niveaux. Vous aurez un indicateur de niveau dans lequel vous vous trouvez en haut à gauche. Je vous dis à bientôt, merci d'avoir regardé, salutations! You
You